Bonjour à tous. Je m'appelle Serge Bachonga de la République démocratique du Congo. Je suis étudiant en biologie, spécialement en écologie et gestion de ressources végétales à l'USMDK Goma. Je travaille sur les fibres végétales de bananier. Alors, comme vous le savez bien, c'est que la plupart des cheveux que les femmes utilisent sont des cheveux synthétiques qui contiennent du plastique et qui finissent dans la nature en polluant les ressources en eau et les sols. Mais aussi, certaines recherches sont en train de prouver que l'exposition du corps humain, du plastique sur le corps humain, pourrait entraîner le cancer. Alors, comme alternative, nous essayons un peu de faire des extensions de cheveux biodégradables à partir de fibres végétales extraites de troncs bananiers qui a toujours été considéré comme déchet. Voici un peu le produit fini. Ce sont les cheveux qui sont déjà finis. Comme vous l'observez, c'est en tout cas comme du cheveu humain. Nous sommes en train de faire avec différentes couleurs, ça c'est pas encore fini. Il y a différents processus à partir de fibres extraites du tronc pour arriver à ça. Alors, nous ne sommes pas arrivés seuls. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement Silpak Limited de l'Ouganda à travers son directeur général, M. Collins Tubazé, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans les recherches sur les fibres, les cheveux biodégradables à partir de fibres de bananier. Donc, je remercie beaucoup à Collins. Merci.